Cuisine autour du monde. Aujourd'hui, je vais vous préparer une soupe thaï au lait de coco et carré vert. J'ai l'habitude d'en préparer au carré rouge et au carré jaune, mais là, j'ai goûté récemment au lait de coco et carré vert dans une chaîne, une franchise même très connue ici. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est beaucoup de fraîcheur. Et ils appelaient ça la soupe Jade. Mais pourquoi je voulais goûter à cette soupe? C'est parce que Jade, c'est le nom de ma fille. Et c'était le jour de son anniversaire, alors on a fait une petite sortie spéciale pour elle cette journée-là. Et on est allé goûter à la soupe qui porte son nom. Ça m'a donné envie de la préparer. Alors évidemment, aujourd'hui, je fais ma propre version parce qu'elle a trouvé que celle du resto est un petit peu piquante. Alors aujourd'hui, je vais même faire mon propre mon propre carré vert avec des piments beaucoup moins forts. Comme ça, elle va pouvoir quand même apprécier la soupe qui porte maintenant son nom, la soupe Jade. Alors je vais vous présenter les ingrédients de la recette. Avec le mortier et le pilon, nous avons terminé le curry vert. N'oubliez pas, les gens à la maison, que si vous avez envie de le faire au mélangeur, c'est peut-être plus une bonne idée. Moi, j'étais un peu zélée sur ce coup-là, là. Mais bon, ça m'a permis d'exprimer mes frustrations de la semaine. Ça m'a permis de me défaire l'épaule. Je me suis permis de le faire, je trouve que ça vaut la peine, mais... je mérite un verre de vin. Voilà. C'est la récompense du dur labeur. Alors, donc, ce que nous allons mettre dans la soupe, comme c'est une soupe Jade et que c'est vert, nous allons mettre des légumes verts. Brocoli, c'était le choix de ma fille, mais c'est un bon choix. Brocoli, c'est vert et c'est bon. Petite courgette que je vais couper à la mandoline. C'est bien croquant, j'aime bien ça. Et petit haricot vert que je vais couper en billets très finement. Les brocolis vont être légèrement blanchis. Sinon, le reste, on l'ajoute cru avant d'ajouter le bouillon.
c'est temps d'y goûter à cette fameuse soupe Jade. Et c'est temps que Jade goûte à sa fameuse soupe aussi. Alors moi j'attaque. Je te donne mes impressions d'abord. Ok. Mmh. Oh, c'est délicieux. Le bouillon est pas trop piquant. C'est pas bon. Mmh. T'aimes ça? Oui. Ça pique pas trop? Non. Mmh. J'aime bien les légumes croquants. Magnifiquement bon. Alors voilà, il vous reste plus qu'à en faire. De votre façon, avec votre propre curry ou non. Je suis certaine que tout le monde va bien apprécier. À une prochaine fois!